Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé faire cette vidéo suite aux nombreux partages que j'ai pu commencer à vous faire par rapport à Deux Sœurs Un Agenda, par rapport à tout ce qu'il y a autour de ça. J'avais vraiment envie de pouvoir vous parler de tout ça. Deux Sœurs Un Agenda, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont deux sœurs, Sarah et Iris, qui ont deux comptes Insta, le compte Deux Sœurs Un Agenda, tout simplement, où elles partagent, elles parlent également des moments de vie à elles, et également Deux Sœurs Un Agenda Shop, là où on retrouve tout ce qui est vraiment les boutiques, etc. Les deux, elles vous parlent très naturellement, de façon authentique, de façon très vraie, de leurs astuces qu'elles utilisent pour elles-mêmes et en fait qu'elles nous partagent également par rapport au budget, aux économies, l'organisation, les courses, etc. À savoir, comme je vous l'ai dit lors d'un post et lors de story, je vous remets mon Instagram, je ne suis pas une personne qui suis très à l'aise avec l'argent, avec tenir les comptes, le budget, etc. J'ai mis du temps avant de pouvoir réellement faire mes comptes, ensuite de faire plus ou moins un budget, et c'est vraiment plus ou moins de savoir combien je touchais, combien je dépensais en dépenses fixes, et en gros combien il me restait, et voilà. Sauf que du coup, c'était assez stressant pour moi. Donc, je n'ai pas eu d'éducation financière, je me suis pas réellement renseignée par la suite, et que je gagne de l'argent ou pas, que j'ai un salaire fixe ou pas avec une certaine somme, enfin que ce soit le minimum SMIG ou un peu plus, j'ai jamais été trop à l'aise avec, je savais pas réellement gérer mon argent. Et vraiment, c'était un gros stress pour moi. Donc, Deux Sœurs Un Agenda, elles ont leur compte Insta, elles ont des podcasts, en majorité sur le budget, économie et tout. Elles ont aussi des choses sur leur vie pour expliquer leur vie de maman, on va dire. Et également, donc, un blog où là, il y a plein, plein, plein d'astuces. Et leur lien boutique, c'est sur le site Etsy. Elles vendent leur agenda qui va bientôt ressortir. Elles vendent des planches pour préparer des menus, des choses comme ça. Il y a peu, elles ont sorti un défi de 12 semaines d'économie. Donc là, c'est un exemple, parce que tout le monde ne peut pas faire, par exemple, la semaine sans dépense, 90 euros. Je sais que moi, ça marcherait pas. Là, l'exemple, c'est avant Noël, et du coup, de pouvoir faire, par exemple, d'économie, 450 euros. En fait, ce qu'elles font, c'est par exemple avoir une semaine où vous mettez 20 euros dans une enveloppe ou dans une tirelire. Il y a une autre semaine où on vend des choses, ou en tout cas, voilà, on peut séparer par semaine. Il y a également une semaine sans dépenses. En fait, la semaine sans dépenses, souvent, elle nous paraît incroyable. Ça nous paraît impossible de faire sans dépenses. En fait, ce n'est pas réellement sans dépenses, c'est avec le minimum de dépenses. Elle donne plein d'astuces pour éviter de faire des courses alimentaires, à part vraiment tout ce qui est frais, pourquoi pas. Et donc, du coup, cette semaine sans dépenses, ça vous permet, voilà, de, au pire, acheter que du frais. Vous avez préparé en avance des plats en plus grosse quantité la semaine auparavant. Vous avez peut-être des choses que vous avez surgelées, etc. Et en fait, il y a aussi une astuce. C'est une de leurs planches, ça permet de faire ça. C'est de regarder tout ce que vous avez dans votre frigo, dans votre congélo, dans vos placards. Et clairement, vous vous rendez compte que vous pouvez faire beaucoup de choses avec avec tous vos aliments. Vous pouvez faire preuve d'imagination, de créativité et du coup faire pas mal de recettes et ne pas avoir besoin d'acheter des choses ou au pire un ou deux ingrédients. La majorité des personnes disent que justement, elles ont tendance à faire des choses assez routinières, assez régulières, tout en les mêmes plats, les semaines classiques, et que les semaines sans dépenses, c'est là où elles font preuve de beaucoup plus d'inventivité et limite elles se régalent plus parce qu'elles pensent à plein de choses. Pour certaines personnes, ça paraît normal parce qu'elles ont l'habitude de faire ça chez elles et de manger très varié et d'inventer, mais pour d'autres, c'est très routinier. Qu'on ait des enfants ou non, parce que même sans enfants, on peut vite faire routinier parce que c'est plus simple, c'est beaucoup plus facile pour faire des courses. C'est aussi par rapport au budget, c'est par rapport au temps, la flemme, etc., etc. En fait, comme je vous l'avais dit dans un post, un peu moins maintenant, mais j'avais quand même tendance à vouloir tout le temps compliquer les choses. S'il y a un truc qui me paraissait trop simple, et là ça va être la même chose en fait pour Deux Sœurs Un Agenda, sincèrement. Je vous assure que quand je vous dis que je suis stressée par l'argent, je vous le jure, je sais que vous en avez, on va dire, jamais parlé et que je le montre pas, mais sincèrement, c'est un gros stress. Il y a encore quelques mois, il y a certaines choses, j'en pleurais. Et Deux Sœurs Un Agenda, c'est hyper simple. Rien qu'avec le tableur qui est gratuit, vous commencez à mettre les choses dedans et tout est fait. Quelqu'un qui est à l'aise avec tous les tableurs, avec les formules et tout, peut le faire. Je sais que j'aurais été totalement capable de faire la même chose, très certainement. Mais la flemme et surtout le stress, parce que tout ce qui a un rapport avec les budgets, etc., ça me stresse. À partir du moment où, dès que vous mettez une story où je fais mon budget, en fait vous ne me voyez pas, mais derrière le portable, je suis hyper stressée. Je me sens pas bien. Non, ça ne va pas. En fait, pour commencer à faire mes comptes, il a fallu qu'il m'arrive une grosse, 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 grosse merde pour vraiment regarder, vérifier que ce qu'il y avait sur mes comptes, ce qui sortait, etc. C'était bah, les bonnes sommes en fait, les bonnes choses, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui était en train de me piquer de l'argent, par exemple. Et pour faire les budgets, j'ai commencé, je pense, l'année dernière, à peu près. Parce qu'à savoir que, du coup,
quand j'ai quitté mon emploi, vu que c'était une rupture conventionnelle, j'ai le droit au chômage. Vu que j'ai fait quelques temps en tant que salarié à nouveau à Spar, du coup ça m'a repoussé encore un peu plus mon droit au chômage. Mais étant auto-entrepreneur, quand je touche de l'argent, ça va être déduit sur chômage. Et du coup, ça fait des trucs en plus à gérer pour moi qui était assez stressant parce que du coup, c'est pas tout le temps régulier. C'est pas une somme qui est régulière, etc. pour calculer. Et c'était un gros stress. Et la somme, elle part vite en fait. Une fois qu'on enlève les factures, etc., je me retrouvais vite avec pas beaucoup. Il a fallu du temps pour que je me rende compte qu'au final, j'ai quand même. Déjà, j'avais de l'argent, j'ai un toit, etc. C'est déjà génial. Et c'est juste que dans mes factures, par exemple, j'avais mon bien-être, ma forme, etc. Ça fait partie de mes priorités. Et aujourd'hui, une majorité de mon argent, c'est réellement. Mon choix, ça va être de réinvestir sur moi-même. C'est chacun ses priorités. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça et l'accepter. De me dire, oui, t'en as moins à la fin du mois, enfin, quand tu calcules le tout, mais parce que t'as choisi qu'une bonne partie aille dans l'investissement pour toi-même. Donc c'est très bien, parce qu'il y a une période, j'aurais jamais fait ça. Et du coup, quand j'ai commencé à vouloir faire le challenge de sortir un agenda, j'étais assez surprise de me sentir déjà à l'aise. J'ai pu tester la version gratuite, enfin j'ai commencé à faire la version gratuite et j'ai pu parler avec elle. Elles m'ont offert en fait la version payante avec la formation, donc je vais vous montrer des images également. Et c'est vraiment top en fait, et c'est tellement simple que je me suis sentie à l'aise et je me suis rendu compte que je pouvais faire des économies. Quand il y a des choses comme ça qui peuvent vous stresser et tout, en fait c'est de pouvoir déjà accepter. Accepter que peut-être vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose et ensuite voir comment faire pour pouvoir l'améliorer et ensuite passer à l'action. Chacun sa vitesse, chacun son rythme bien évidemment. Je vous assure que même moi en fait je suis surprise par moi-même à quel point je suis moins stressée par rapport à ça. La semaine dernière où j'avais pu vous parler, où j'avais tout rangé, vu que j'avais eu mon étagère, je suis toujours aussi contente et que niveau alimentation en fait je savais pas trop comment le ranger, donc de toute façon sûr qu'il me fera une petite étagère, mais c'est surtout qu'il y a pas mal de choses que je stocke depuis un moment et je vais pouvoir vous expliquer également pourquoi. Voilà, là j'ai sorti tous mes produits secs et j'ai un petit peu de frais, quelques fruits là-haut. Voilà, c'est tout ce qui était et voilà. Donc pourquoi je vous ai sorti tout ça? C'est pour vous expliquer. Donc déjà pendant l'épisode de la souris, vous avez pu voir, j'avais tout mis dans la salle de bain. Donc du coup, par exemple, quand j'ai voulu racheter des olives pour un apéro, j'avais oublié que j'en avais déjà un bocal. Et pareil pour les flocons d'avoine, j'avais oublié qu'il m'en restait un. Et du coup, j'en ai racheté, ce qui me faisait deux autres bocaux. À savoir, en fait, c'est que par exemple, quand vous faites votre menu, vous vous rendez compte que, par exemple, vous avez tout ça. Mais du coup, je sais que moi des fois je vais acheter des choses parce que je vais pas avoir envie de ça et je vais en racheter d'autres, mais du coup ça reste. Ça par exemple, je les ai depuis ma dernière commande, c'est-à-dire il y a un ou deux mois. Je vérifierai, mais ça fait un ou deux mois facile. Ça par exemple, ainsi que ça, ça fait, je m'en rappelle, je l'avais acheté à Biocoop quand j'étais chez mon père. Donc c'était genre en début de l'année dernière. Mais par exemple, vous avez également, ça c'est du chocolat, je l'avais acheté à un chocolatier, à un salon bio qu'il y a chaque année à La Rochelle, et je l'ai acheté. J'ai vraiment réfléchi, et en fait je me suis rappelé, je l'avais acheté, quand je l'ai ramené, j'étais encore dans ma maison, c'est-à-dire, très certainement, début 2017. On est en 2020, je vous rappelle, donc ça fait au moins 3 ans que j'ai ça. Je sais que à ma décharge, il y a aussi le côté, certes il y a eu la souris, c'était pas très visuel comment c'était rangé dans la commode, etc. Ça, oui, ça c'est sûr, ça aussi ça y joue, parce que du coup je voyais pas, etc. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses, je sais que je sais pas le consommer. Si je vais prendre l'exemple de ces tomates séchées, là en plus elles sont séchées vraiment, elles sont même pas dans les bocaux, mais les tomates séchées dans les bocaux, là dans les salades, ou même à manger tout seul comme ça, moi je... J'adore ça. Je me vois pas en acheter régulièrement parce que ça monterait vite dans mon budget course et voilà. Et du coup, j'ose pas le manger parce que du coup, une fois que j'aurai mangé, j'en aurai plus. Oui, c'est totalement logique. On est d'accord. En fait, je me prive de le consommer parce qu'au moins j'en ai. Mais du coup, je me prive. Mais ce qui sert à rien, parce que si je le consomme pas, ça sert à rien d'avoir dans mon placard. En plus, ça prend de la place, surtout quand on n'a pas de place. Ça sert encore plus à rien. Au lieu de le consommer, je vais manger d'autres choses. Quand je vais me faire mes salades, je vais pas en mettre dedans. Alors que j'en ai. Pour ceux qui n'ont pas
cette façon de faire, de cette façon de penser, peut-être que vous comprendrez pas. Sauf que pour les personnes qui sont comme ça, c'est même plus frustrant parce que clairement, voilà, je l'ai vu, j'ai voulu l'acheter, je me suis dit, c'est trop bon ça. Et ça fait plus d'un an que je l'ai et je le balade. Et je le mange pas. Donc là maintenant c'est bon, je vais changer. Et en fait c'est pour ça, avec la méthode des 2 heures un agenda, quand j'ai vu à quel point c'était simple, à quel point il y en a, que ce soit des personnes qui sont à l'aise ou pas, que ça fait un moment qu'elles font des budgets ou pas, avec la méthode par exemple des semaines sans dépenses, elles sont hyper à l'aise, elles font des trucs de malade. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, et c'est en déplaçant un truc, purée, j'avais oublié que j'avais ça et ça et ça. Et c'est pareil avec eux, voilà, je les ai achetés. J'ai pris, c'était un lot, et du coup je me dis c'est cool, je pourrais tester. Mais non, parce que toujours pas. Que je vais faire avec des choses que je connais déjà, je vais rester dans la facilité, je vais rester dans le truc simple. Et du coup, ben, quand je vais faire mes courses, je vais m'acheter d'autres choses que je connais, des choses avec lesquelles je suis à l'aise. Alors j'ai tout ça. En fait, c'est juste le fait de consommer et d'avoir peur de manquer. J'ai pas encore totalement peaufiné tout ça. Il y a très certainement d'autres trucs derrière, d'autres blocages, d'autres pensées limitantes, je ne sais pas. Je vous dis à l'état actuel des choses jusqu'où j'ai avancé. Et voilà, en fait. Voilà, en me rendant compte de ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Enfin, tu vas pas te racheter des trucs. Mais c'est juste que, comme le disait Iris sur un des podcasts, alors le podcast c'était Tenir un budget partie 1. Elle disait, par exemple, vous achetez quelque chose, vous êtes hyper content, et après, vous, bah, limite, vous culpabilisez, vous êtes pas bien, vous dites, ouais, mais j'ai acheté ça pour me faire plaisir, mais j'aurais pu acheter un truc utile, ou j'aurais pu mettre ça dans autre chose, ou j'aurais pu acheter un truc qui me fait plaisir plus tard dans le mois, parce que ça se trouve, là, je vais me faire plaisir en début du mois, mais fin du mois, j'aurais plus. Oui, je vais très vite en vous en parlant, ça peut faire très stressant, parce que c'est clairement ce qui se passe dans notre tête, et je dis notre parce que c'est tout le temps ça, et c'est ce que je leur ai expliqué, et que je vous ai expliqué en story, c'est que quand elle a dit ça, je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis dit, putain, c'est encore le cas, ça me le fait encore, et j'en peux plus. Là, c'était un pleur parce que, en mode de ras-le-bol, j'en ai marre d'avoir cette sensation. Et donc l'exemple de budget, c'est que si vous connaissez votre budget, mais sans être dans des limites, elle s'explique au contraire, on a l'impression qu'on va être trop limité en faisant un budget, alors qu'au contraire vous êtes beaucoup plus libre, et je m'en rends bien compte, et je vous assure que de se libérer de ce poids là, c'est énorme. De toute façon, les exemples que je vous donne, c'est des choses que moi je connais, ma façon de voir et tout, mais la méthode en soi des filles, elle s'adapte à tout le monde. Elle donne des exemples, elle en tant que maman et leur mari, mais ça correspond même à une personne seule, avec ou sans enfants, ou les enfants en garde partagée, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur, etc. En plus, elles répondent aux questions, elles sont vraiment, sincèrement, elles donnent en fait. En fait, c'est une méthode qu'elles utilisent pour elles, pour leur famille, ça marche, elles sont à l'aise avec. Et du coup, elles proposent à d'autres, c'est clairement un service qu'elles nous rendent. C'est un... du coup, j'ai envie de pleurer. Dès que je vous dis que c'est vraiment un... C'est vraiment, c'est pas rien pour moi, enfin, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu pleurer sur une vidéo. C'est que c'est tellement un blocage, c'est tellement un stress, c'est tellement, c'est un handicap. Clairement, c'est un handicap qui vous empêche de faire beaucoup de choses et qui joue sur vous-même et qui joue également sur vos relations. Parce que du coup, quand vous voulez acheter un cadeau, bah vous pensez à des trucs, vous aimez vous faire plaisir, mais vous savez que vous avez ça. Vous avez un apéro, bah faut acheter des trucs. Même si c'est pas beaucoup, mais ça peut vite monter. Vous allez au resto, vous allez boire un verre, vous y pensez tout le temps. Je vous assure que moi, perso, prends mon exemple, je pense du coup à ça tout le temps, tous les jours. À savoir que pendant le confinement, j'avais repensé à l'exemple de personnes qui avaient payé une tournée l'année auparavant. Et quand j'y pensais, je me disais, un jour, j'aimerais vraiment pouvoir payer une tournée. Et ça me faisait pleurer, parce que je ne pouvais pas. Et parce que je me disais, ça me saoule de ne pas y arriver, parce que là, clairement, ça venait que de moi. C'était mon propre blocage. Et qu'aujourd'hui, je vous en parle, je ne pleure pas. Je sais que psychologiquement, j'aurai encore du mal. Et donc, automatiquement, ça joue sur les relations avec les amis et aussi avec le couple. Du coup, je sais que maintenant, si j'ai un copain, je pourrais plus facilement lui payer un verre, par exemple. C'est par étapes. Il y a payer un verre, payer le resto, payer la tournée, ça sera pour plus tard. En fait, c'est d'abord l'accepter, de pouvoir y penser, que je sais que je serai plus apte à le faire. Ensuite, pouvoir être apte, moi financièrement ça c'est cool aussi, et psychologiquement. Mais le fait de pouvoir poser les choses déjà, ça permet de se rendre compte aussi de combien on dépense. De toute façon, je vous remets leurs informations en barre d'infos. Je vais voir comment ranger, je vais pouvoir me faire la liste. Mais je sais que pour mes prochaines courses, je vais pouvoir faire autrement, je vais pouvoir faire mes recettes aussi sur la semaine, c'est ce qu'elles proposent. Et ce qui nous fait gagner du temps, et du coup en fait vous pouvez voir tout ce que vous avez là. Vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez faire en recette, et au pire, si jamais il manque un ingrédient, du coup vous pouvez le mettre sur votre liste de courses.
courses. Et au final, vous allez vite vous rendre compte qu'il y aura peu de choses à acheter, ce qui fait que le budget course sera beaucoup plus petit. Donc soit la somme que vous aurez dû mettre dans votre budget semaine, bah, soit vous le mettez dans votre enveloppe pour faire des économies, ce qui vous permettra de pouvoir soit vous payer des vacances, payer... Là, il y a Noël qui arrive, il y a peut-être un mois où vous avez plein d'anniversaires, etc., etc. Si vous n'êtes pas du genre à vouloir faire des économies, bah, cette somme-là, vous vous rendez compte que vous pourrez le mettre dans autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de pouvoir vous donner pas mal d'infos, vous expliquer. Si vous avez des questions, si vous aussi vous êtes dans ce stress là, n'hésitez pas à me le partager, au contraire ça me permettra de me rendre compte que je suis pas toute seule, même si je sais que c'est le cas. Si je peux vous aider, si les filles peuvent vous aider, je sais qu'elles me feront un grand plaisir parce que vraiment elles répondent à toutes les questions, elles sont super mignonnes, elles sont hyper bienveillantes et tout, donc c'est vraiment cool. En plus, bon, elles sont assez rigolotes sur leur podcast, elles sont vraiment en mode naturel, donc du coup, elles rigolent, elles font des vannes toutes les deux, elles chantent, parce qu'elles chantent aussi. Sur les réseaux, je vous parlerai un peu plus de mon avancée par rapport à 2 soirs en agenda, à quel point je me sens plus à l'aise avec mon budget, etc., etc. En tout cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, et surtout, jouissez de votre vie.